Bien, bonjour à tous, c'est Peppa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent dans le Pyromane. Aujourd'hui je ne suis pas seul pour cette série, je suis avec Awake. Bonjour Et Awake. bonjour à tous, et salut Pipa. Et oui, donc on va commencer d'ailleurs directement par passer nos infamies, parce qu'on est actuellement tous les deux niveau 100. Donc le but, je rappelle, de cette série, c'est simple, hein, c'est de vous montrer un parcours standard qu'on pourrait réaliser, Awake ou moi, en duo ou en solo d'ailleurs, hein, peu importe, pour passer du niveau 0 au niveau 100. Donc Awake, je t'invite directement à passer ton niveau d'infamie. Allez, c'est parti. Et Infamie voilà. 102. Eh bien c'est 108 pour moi. Donc ça commence à faire ces chiffres, hein, ça commence à faire. Donc au début on va quand même enchaîner, je crois, pas loin de 5, 6, 7 missions en discret. Donc on gardera le même build discret, le build que je vous présenterai rapidement en fin de vidéo, même si au départ on va commencer avec le célébrissime Diamond Store. Hop, hop, je prépare déjà mes armes et c'est parti. Une map qu'on ne présente plus. Ouais, j'attends ton lobby. Ouais, hop. Ah mais je peux prendre qu'en Death Wish en fait. Non, au début il faut qu'on recherche la map Awake. Ah oui. Bah si j'en trouve. Sinon, au pire, on prendra. Sinon, on la prend en Ouais, on Death a des Wish. switches. Ouais. Attends un petit peu tes maps si jamais. Ouais. On regarde. Moi, j'ai que des maps extrêmement complexes. Non, allez, on va la prendre en. Et C'est pas puis, ouais. grave, on va la prendre tant pis. Hop, tac, tac, De toute tac. façon, y a qu'une légère différence entre le Death Wish et les sentences au niveau de l'XP, donc c'est pas. Hop, je t'ai invité. Ouais, j'arrive. Va rester en channel privé. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, Diamond Store, rien de particulier, de toute façon, hein, le but va juste être d'aller assez vite. Toi, tu prends un body bag ou... Ouais, tu prends un ECM? J'ai un ECM, ouais, c'est ça. Ouais, je prends tir avec un ECM aussi. Je prends de. T'as à cœur, toi, le pocket? J'ai un cœur, ouais. J'ai gardé les grenades du coup, bah, comme ça fera du clean rapide de cible. Bah, du coup, il faudra juste penser à tuer le mec de Car Shop. Ouais. Je vais dire voir si on a les cams. On pourrait direct avoir une difficulté si on les avait pas. En effet, et c'est pas le cas. Pas de caméra qui. Ouais. T'as pas la cam, ouais. Ah bah écoute, je cours. De toute façon, si tu l'avais eu, je pose à cœur et c'est réglé. Hein. Ouais, large, large. Alors, cam, c'est bon. Ok. L'alarme d'activer n'est pas dans la salle des caméras. Donc il Ah ouais. reste l'étage ou le bas. Tu me rejoins ou pas là? Ouais, c'est Ouais, bon. c'est bon. Le terrain c'est clean, ok, on écoute. Ouh, Oh. un client. Ouh, Ouh. deux clients. Ok, Ouh. Par contre, toi, il est très mal placé. Ouais, mais j'ai un angle mort, je peux voir si quelqu'un monte. Pour l'instant ça va. Ça devrait passer. Je te laisse le bag. Ouais. Hop. Pas le boîtier d'alarme ici. Le boîtier d'alarme est en bas, ok. Ok, Mais il reste un écoute. garde. Hop. Il Ah, arrive. il est là, parfait. Il a. Je m'en occupe, allez. Ok, vas-y. Je Au me moins. recule. J'allais dire tu lances les grenades, mais non, parce qu'on n'a pas encore. Non. Eh oui, on n'a Eh pas oui. encore trouvé le manager. Ouais. Bien écoute, c'est quand tu veux. Eh Elle ben, est je dehors l'ai ou pas pas? repéré. C'est pas impossible, je l'ai pas repéré personnellement. Elle est dehors, elle est dehors. Ok. Bon bah. Donc si tu veux, pose. Bah Ouais. attends mais. Ouais j'ai envie de dire attends, pose le CM. Ouais, pour les couches, hein. Et je casse la vitre. On va les coucher. Prépare tes grenades, maintenant, allez go. Allez hop, Casse tout. ici, ici, hop. Voilà. Et hop, allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Donc je l'ai pas précisé bien évidemment, mais à chaque déplacement de sac dans l'émission, je vous ferai une petite ellipse juste pour éviter de vous montrer le déplacement des sacs qui va être quand même assez long. Hop. Allez, hop, hop, hop. Il en manque un. On a oublié un sac. On a oublié un sac. Ah mais il est là, je le vois. Ok, bon bah voilà. Tout devant quoi. Allez, cours, cours, Hop. cours.
Allez, première mission. Et on va d'ailleurs faire la technique qu'on fait d'habitude. Ah oui, en effet, oui. Et oui, cette technique en fait qui vous permet d'économiser énormément de temps. Ah, je suis niveau 49 personnellement. Et moi, je suis niveau 48. 48, ok. Petit écart, mais c'est pas gênant. Tac, 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 tac. Et voilà, hop. Donc, on va reprendre maintenant la prochaine mission qui ne sera rien d'autre que la Bullock Mansion. Je t'invite dès que je peux, hop. J'arrive. C'est parti. Hop. Et... Je vais changer mes armes d'ailleurs, je n'ai pas changé mes armes. Tac 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 tac, et on va partir avec deux trousses de body bag. C'est parti. Allez go. Bluc bluc. J'ai hâte quand même qu'ils mettent de nouvelles missions avec un autre thème, peu importe qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Mais... Ouais, mais là ils vont changer de thème, je pense, de toute façon. Ouais, mais je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont décider. Ils ont pas dit encore quelle mission. Non, mais bon, ils avaient dit qu'on serait au courant assez tôt dans les 2021 sur le nouveau contenu. À droite, il est mort. Le garde, il est à gauche, ouais. Là, je vais aller à gauche encore. Ouais, ça marche. J'ai pas la foi encore. J'ai le nom du mec, c'est Sanchez encore. J'ai pas la foi. Ouais. Là. Ok. J'ai pas le globe. Ok. J'ai le globe. En fait, j'ai rien en fait. Ouais, j'ai pas la globe. Déjà, j'ai le globe. Je peux encore le prendre. Globe, c'est bon. J'ai la faux. Et c'est de l'autre côté, si tu tiens d'ailleurs le. C'est du mien. Ouais. Allez, bah, l'entrée. Voilà. Est-ce que c'est safe ici? A priori, oui. Ouais, c'est bon. Gardez mort, ouais, parfait. J'ai pas tué mon gardien encore. Ok. Commence à faire les civils. Sauf enfin, si tu peux, bien sûr. Ouais, ouais, j'ai. Non, je peux pas. J'ai un garde. Allez. Ah, il est où ton garde? Ah, il est là. Il est où? Bah, il est. Il est très bien placé. Attends, attends, attends. Ouais. Go. On prend le sac. On l'amène là-bas direct. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je suis en train. Le lob, c'est bon. Hop. Il y a le mec qui arrive, mais. Ça va passer. Ouais, alors, lampe. On a un premier. Deux classeurs, rien. Rien. Ah, je le garde. Je pense que je vais le tuer. Vas-y, ouais, ça, ça évitera de perdre du temps. Parce que je. Ouais, ce garde-là, en fait. À la limite, l'autre, j'aime bien l'esquiver, mais celui-là, honnêtement, ouais. Pour les. Sinon, pour la bibliothèque, tu perds trop de temps, en fait. 3, je note. Hop. C'est le poisson. Ok. T'as eu aucun autre indice de ce côté-là? J'ai pas encore tout fouillé. Si, non, non, mais c'est bon. Un autre. En 4, on a Hack. Hack? C'est la tortue. Ouais. Et je crois que le reste, c'est l'intérieur. Allez. Oui, normalement, c'est entre 1 et 2. Attention, il y en a forcément un. Ah, j'ai le truc. Ouais. Il y en a forcément un qui sera dans le. C'est ça, en fait. Il y en a forcément entre 1 et 2 dedans. On va libérer Tom le requin, évidemment. Évidemment, Tom le requin qui sort. Ouais, ouais. Allez, hop. Bah, commence à retourner là-haut si tu veux. Vas-y. Je t'écris directement. Ah, c'est le lézard. Ah, ah bah, le garde, bah, tu l'as. Ouais. Ok. Et. Ah, bah voilà. Deux, c'est le cochon. Enfin, bon. Le sanglier, ouais. Sanglier, je sais pas. Cochon. Il a divers noms quand même, celui-là. Ouais. Un porc, à la limite, on peut dire.
Ah ouais, bon. Voilà. On a Mister ouais. Red là, Mister Double Face. Double Face qui est là. Il veut faire le machin, il veut faire le boss. Allez, allez. Ouais, j'ai des body bags, mais en fait, on s'en servira plus. Pour l'instant, t'as admiré les jolis tableaux là derrière toi ici. Petit bateau là, sympathique. Ouais. Oh là là, ouais, non. Ah si, c'est bon, c'est bon, ça nous. Alors, c'était quoi le code? Alors. Lézard. Lézard. Lézard, voilà. Ouais. ensuite, deux, le porc. Sanglier, le cochon, tout ce que tu veux. En 3, le poisson. Et en 4, c'était la tortue. Bah, tu vois, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, on tue Boulouk pour la 90e fois. Pour la 96e fois, pour moi. Ah, bah, si tu veux, tu peux présenter le paquet cadeau là. Ah, oui, c'est vrai. Qui contient le masque de Sangres. D'ailleurs, c'est le masque que tu as, je crois. Ouais, je vais m'arrêter si tu veux. T'es où? Eh oui, ouais, non, il est pas mal ce masque. Ouais. Très bien. Manque... Est-ce que tu penses qu'ils ajouteront les autres méga avant la fin de Payday 2? Je pense que avant. Parce qu'en fait, les méga, en fait, tout le monde ne peut pas les avoir, non? À part ceux avec code du genre Clover et Sidney, les autres. Méga Clover, tu peux l'avoir gratuitement maintenant, si tu veux la page Instagram de Overkill. Sidney, faut que tu payes 10$ à l'association de l'actrice. Enfin, 10$ australiens. Et après, bah, le reste. C'est avec le Completi Overkill Pack, en fait. Ouais, t'en as 4, ouais, c'est ça. Enfin, si on prend en compte que les braqueurs, quoi. Si on prend en compte les autres. Mais ouais. Sinon, après, à part ça, le reste, tu peux les avoir dans le jeu. Le Mega Rust, il faut avoir fait 250 niveaux de Clean Spring, il me semble. Ah bon? Mais je l'ai, Mega Rust. Autant, je l'ai ouais, pas. Ouais, tu l'as. Ah ouais, j'ai c'est même pas vu, quoi. Je l'ai jamais acheté, quoi. Il est sympa, ça va. Mais c'est pas le plus beau. Est-ce qu'il y a Mega Giro ou pas? Non. Ah. Mais par contre, ouais, je pense que là, c'est pas impossible qu'il pense à le faire, d'ajouter tous les Mega Masques. Verra bien. Hein. Ouais. Bon, je prends la Ferrari moi. Non, c'est ça, t'as rien du tout là. Et 6 minutes combien 0-1 6 minutes 0-1, eh oui. Voilà. On a failli être à 6 minutes pile. Mais... Eh dommage. On prend quand même un million 2 et un bon bonus de 15%. Et hop, tous les deux 58. Ouais, parfait. Ouh, je suis jacket. Allez, on continue. Mega jacket, ça pourrait être sympa aussi. Hein. C'est vrai. Ouais. Avec des petites lumières et tout. Donc on continue avec la First World Bank maintenant. On va peut-être aussi se faire les skills, faut oublier ça. Même si bon, normalement. Même si j'ai pas grand chose à ajouter moi personnellement. Ouais, comme tu l'avais dit, avec le minimum, on peut vraiment quasiment tout faire. Ouais, là je commence à ajouter les mines, mais je vais pas les prendre. Enfin, je vais peut-être les prendre en secondaire. Les mines. Je vais pas prendre les perceuses pour le coup, vu que c'est la First. Ouais. Voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut. Pour toi c'est bon? Bah ouais, c'est. J'ai besoin de le kunai. Et puis voilà, parfait. Allez. La Force World Bank, est-ce qu'on a besoin d'un ECM? Peut-être qu'on a besoin d'un ECM quand même pour la dernière partie, tu sais, au cas où t'es un. Ouais, c'est, on peut appeler ça mais le après... semi-ECM rush, tu vois, quand on tue les gardes. Et... Ouais, voilà, mais après, on n'a pas besoin. Rien qu'avec hacker, en fait, ça suffit, en fait. Ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Si tu joues bien le délai des pagers, hein, tu. Ouais, c'est ça, c'est la technique qui est quand même assez puissante. Le manager est derrière le comptoir. Ok, tu t'en charges? Bah, du coup, oui, vu que je suis lost, il faut juste que tu me spots les gardes à droite. Ouais, je reste à droite. Enfin, ça dépend, la vault est de quel côté en fait. La vault est à droite, enfin ma droite. Donc est-ce que c'est pas mieux que je passe par l'autre côté hein? Là ouais, vas-y, passe de ce côté. Je vais... Il y a un garde qui vient de partir justement de gauche là. Est-ce que c'est libre? Là ouais, vas-y, là tu peux. Allez. Parfait. J'ai cru voir un garde. Non? Ouais, un garde ici. Oh ouais. Ok. Ouais, du coup, ouais, ça, là t'as pris les mines pour le coup. En fait, j'aime bien jusqu'à les deux mines. Il y a juste deux mines, tu sais, près du bureau ouais. De. Eh oui, le fameux angle de la mort. Ouais, ouais, elle, c'est ça ouais. En fait, tout le monde le connaît. Donc, ouais. Pas de boîtier ici, pas de boîtier ici. Ah, ici, je vais m'en charger. Bien sûr. Oh, regarde la RNG en face qu'on a là. Oh, intéressant. Les ouais. Civils. Les civils là. Ces civils là sont assez gênants en plus donc. Ouais.
on va, ouais, on va attendre que le garde bouge avant de les tuer. Bah, le truc c'est qu'il faudrait repérer aussi les autres. Ouais, l'autre garde en fait de l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, je n'arrive pas à le repérer. Donc. Ok, le garde il va où? Ok. Alors attends, je vais casser la plante. Il faut qu'on y aille. J'ai mis un cœur, on va baguer. Ah non, c'est ma bague de mec. Alors là, je lui remets un cœur. Ah bah non, t'aurais dû me laisser mettre le mien. Ouais, ouais c'est... derrière le boîtier, il est de l'autre côté pour le coup. Alors hop, on va mettre une mine de sécurité ici. Je vais aller faire mon boîtier. Ok, il est côté réunion, le dernier boîtier. Ok. Je laisse le garde passer, j'y vais. Parfait. Où est le deuxième garde? Tu l'as spot ou pas? Non, je l'ai pas spot, mais il va être dans les bureaux, je pense. En tout cas, il est pas de ton côté. Alors là, aurons-nous le code du premier coup? Ou alors est-ce qu'on va avoir droit aux suppressions des prêts étudiants et tout ça, quoi? La fameuse RNG. J'ai un garde là, mais en fait, je vais mettre une mine là. Vers là. En fait, je m'en servirai pas des mines là. Alors, bon, malheureusement, il y a un garde devant. Il y a un deuxième garde qui arrive. Il rentre dans la pièce. J'ai pas les civils au fond, donc ça, c'est quand même une assez bonne RNG. Ouais. Il me reste un seul body bag. T'as pris une trousse ou pas? Moi, j'ai une trousse, si tu veux. J'ai une trousse aussi, ouais. Une trousse. Bon, j'ai le défilé des gardes, malheureusement. Là. Allez, c'est à moi. On va voir que là, c'était un bon temps mort pour moi, pour que mon hacker se recharge tranquillement. C'est vrai. Ah mais non, j'avais oublié que j'ai cette petite planque, regarde. J'ai cette petite planque ici, là. Ah, credit score. Ah, moi j'ai eu le student loan, hein. J'ai eu les prêts étudiants. Hein. Ah, okay. Premier coup, hein, donc. Allez, c'est bon. Ok. 1138. J'hésite à passer. Le code qu'on connaît tous, évidemment. Apparemment. C'est vrai que c'est une map qui change quand même beaucoup hein, par rapport au premier Payday. Ah bah, au premier Payday, en fait, déjà la version de Steel, on pouvait pas la faire. Ouais. Et surtout qu'en fait, ils ont vraiment changé le fait que, bah, à part le discret quoi, que même en loud, je trouve que t'as plus cette survie que tu as dans le Payday. Je me rappelle avant, dans Final Fantasy, tu sais, t'es obligé d'être proche des piliers, tu sais, là, dans la seconde partie là. Et de se mettre ici pour couvrir, et c'est vraiment difficile et tout. Là. Et encore, moi, dans les dernières fois que je refaisais cette map en 145+, on faisait même plus cette méthode. Maintenant, on restait carrément à chaque fois planqué dans les bureaux du haut, tu vois. Dans le bureau du manager, ouais. C'est ça. Même quand on mettait la thermite, on la mettait, puis on revenait en fait. Ah ouais, parce qu'au moins, les gardes arrivent que du Sunzol, tu dépenses pas trop de munitions et tout. Et... Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai que entre celle-ci et PSG, c'est une bonne innovation pour le stealth. Ok, petit coup de sixième sens quand même. Ouais. Je pense que c'est à nous. Parfait. Alors là, clairement, on a la meilleure RNG pour la sortie. Ah ouais, tu trouves? Ouais, moi, je sais pas. C'est vrai qu'on tire tout droit, mais je sais pas. J'aime. Qu'est-ce qu'il fait? Oulala. Ouais, c'est assez rare ça. Ouais, il s'est rapproché ici. C'est. Un petit swap au pied, ça passe là. Ou courir aussi, ça passe aussi. Courir. Ok, j'ai vu un garde. J'aime bien ce portrait, tu vois, quand on a un peu la possibilité. Ouais, deux ici. Alors attends, est-ce que. On peut passer là déjà, les laisser voir l'autre. Tu peux tuer le civil, tu sais. Hein. Ouais, ouais, c'est fait. C'est fait? Bah fais le garde quand t'as là-bas. C'est les civils. Hein. C'est... Voilà. J'ai tué un garde déjà. Ok, moi je vais attendre pour l'instant. Je vais attendre. Je vais temporiser tant que. C'est bon, tu peux les tuer. Tu peux les tuer? Vas-y. On part sur une domination et je te tue le tien. Hop. Ouais, depuis que j'ai découvert cette technique, on peut tuer le garde en fait. Enfin, le mec des caméras en pétant sa vitre à méga distance là. Ouais. Je trouve que c'est vraiment abusé en solo parce qu'en fait, tu tues le garde direct ici. Et du coup, tu gagnes énormément de temps quoi. Tu peux déjà tuer les gardes de la première zone sans risquer quoi que ce soit. Ok, il manque une keycard. On a la dot ici.
prends la tienne. C'est bon, je peux prendre celle de base. L'autre, ouais, c'est l'autre de base. Je te laisse la mettre. Elle est où, l'autre? Au bureau du mec. Ah, elle est au bureau du mec. Oh, ouais, putain, en fait, t'avais manqué, t'avais manqué l'autre, ouais, dans la salle à côté. Ah oui, elle est là. Allez, c'est parti. Attends, tu es ouvert. C'est vrai qu'à l'inverse, dans PSGest, on ne devait pas baguer les sacs. On les prenait directement. Et... Ah oui, mais PSGest, ouais, c'était. Il n'y avait pas ce déplacement de sac. C'est vraiment un PLG, ouais. Ils ont dit, les gars, on va commencer à déplacer du sac. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, comme tout à l'heure, on va vous faire une petite ellipse pour déplacer tous les sacs directement dans la ventilation. On sécurise tout. Et hop. Et c'est parti. Là on a une visu sur les deux gardes du haut, c'est plutôt cool. Ah, on a perdu un, mais il est toujours... on sait qu'il est dans la salle de réunion. Il y avait un à droite, mais pas gênant. Ouais. C'est vrai que ça aurait pu être plus compliqué, tu vois, s'il y avait des civils là, tu vois, et tout, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais, c'est vrai. Le garde est parti. Attention, il doit être dans les couloirs. Il doit être dans les couloirs, on va se mettre ici, voilà. Petit sixième sens. Regardez un petit peu ce qui s'y passe. Ah, on l'a repéré. Les bureaux. Ah, il sort, attention. Et il sort, ouais. Là, le sixième sens qui a été extrêmement utile. Ok, oh bah il prend le bon chemin, parfait. Et là, par contre, on a une bonne énergie pour la fin avec la. La salle. Et l'autre, il est où? Oh, l'autre, il est où? Il est là-bas. Ok. Est-ce que tu peux activer l'objectif ou pas? Je crois que l'activer, ouais, c'est bon. Bon, bah j'arrive parce qu'il se décide pas. Ah, mais non, je vais me faire piéger par l'autre. Faut que je me grouille, hop, c'est bon. Get in. Et go. Allez. Les flics. Oh, la civile. Allez, oh. Et voilà. Allez, on fera même le succès de moins de 13 minutes aussi. Enfin, 13 minutes 37. C'est vrai. Allo. On ramène les courses. Et je pense que c'est le même camion poubelle qu'on a ramené jusqu'à Breakfast. Non, jusqu'à la San Martin Bank. Ouais, c'est pas impossible, il fallait qu'il disparaisse de temps en temps là. Tu vois, c'est genre. On avait trouvé qu'un seul, donc on a ramené celui-là là-bas. Ouais, c'est pas impossible. Pour peu qu'il se tire. On a bien tout. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. 10 minutes 56. C'est propre. Et on gagne combien? 1 7 million. On commence à aller sur les maps de plus en plus. Ouais. Et on est déjà au niveau 66. Bon, 66, c'est pas un tiers du niveau 100, même si en termes de chiffres, oui, mais en termes d'XP, pas du tout. Les premiers niveaux sont les plus faciles à passer, bien évidemment. Ok, donc là on va s'aventurer vers la Big Bank. Avant ça, on va faire un Election Day pour récupérer un bonus. Ouais, donc je t'invite déjà à prendre la scie éventuellement si tu veux. Du coup, je vais partir sur Yakuza. Moi je vais descendre ici pour avoir les deux OCM parce que je n'aurai pas besoin des mines. Et je vais prendre tout le reste exactement pareil. On prendra donc là pour là, on va prendre deux OCM. Donc là on va faire quoi? On va faire une election day en normal, donc vraiment le truc le plus, la mission la plus simple au monde. Tout ça pour récupérer très rapidement le bonus de 20%, en moins de 2 minutes on a un bonus de 20%. Donc c'est très intéressant pour après faire une très grosse map comme Big Bank. Alors ça. C'est bon pour toi? Je crois que mon Yakuza est bon là, ouais. Alors je prends le Uber là, et je suis bon. C'est parti.
on n'a rien à prendre. Oh, tu nous payes les assets. Qu'est-ce que tu veux, général? Sait-on jamais, hein, le... Tu sais. Alors, que le maître peut servir pour toi. Oh, ah, c'est vrai. Domi Esport, 2 FT. On a soit Valence, soit Kranich, rouge ou bleu. Donc il faut trouver soit un rouge, soit un bleu d'ouvert. J'ai eu l'impression que j'ai un bleu en face. Ouais, je veux un bleu d'ouvert, en effet. J'ai raté mon saut. Ça va donc partir en rush. Je te laisse poser l'OCM. Ouais, je vais, c'est bon. Allez. Il veut pas me tirer dessus pour que ça aille plus vite là. Bon. Tant pis. Allez hop, on passe au jour 2. On a mis combien? J'ai même pas vu. 30 secondes, je pense, même pas. Ouais, un truc comme ça. Allez, je paye les assets. Je paye les assets, je suis gentil. Ouais. Pour le fail. Jour 2, on n'a pas besoin d'écrobar. Jour 2, on n'a pas besoin d'écrobar, ouais. On a besoin seulement de 4 caisses. Ce qui est vraiment. Ouais. Donc là, tu préfères quel côté? Gauche ou droite? La gauche. Tu préfères gauche, toi? Ouais, ouais. Allez, bah, je vais aller à droite. Mais c'est vrai que quand t'es trop habitué à chercher l'écrobar, bah, tu sais, tu fais perdre ton temps au début quand t'as pas habitué à le faire en difficulté. Ok, minimale. Allez. J'ai pas les cams. Non, bon, on s'en fout des cams. Les caméras, il faut mieux les péter parce que si elles peuvent spotter les machines en. Ouais, mais elles sont pas en titane, donc tu la casses et puis. Ah ouais. Ouais. Je lance un. Ouais, j'en ai une. Deux. Deux, ok. Je lance trois. Regarde. J'ai entendu le tir jusqu'ici. Ouais. Une caisse, donne-moi une caisse. Pas de caisse là. Et je lance 4. Ok. On pose un OCM et on se casse. Tu mets ou je mets? Je mets. Vas-y. J'y vais. Allez. Donc voilà, 1 minute 30, je pense qu'on va mettre. Donc ouais, c'est pour ça, en 2 minutes, choper 20% sur une map qui va rapporter des millions, c'est super intéressant. Et encore là, on était un peu long. Mais vous la reverrez plus tard, parce qu'après la Big Bang, on refera une dernière fois l'Election Day. Donc, vous pourrez revoir cette mission. Allez. Là, on est parti pour la Big Bang. Eh oui, la grosse banque. Ouais. Alors, mon truc, il y a Cousin. J'ai une signe. Faut que ça plus. Ah, tiens, c'est un français que j'ai pas. Je vais virer. Tu veux que je prenne les mines en secondaire? Ouais, je veux bien que tu prennes les mines, ouais, si tu peux. Allez, et ben, je prépare ça. Voilà. C'est bon pour toi? Alors attends, je vais quand même prendre. Je dirais ça. Il me manque juste 6 points. Attends. Est-ce que je peux lire un truc? Allez, je prends ça. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, go. Ouais. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a comme Volt. Hein. Ouais. Volt en bas. Ok. Ça change pas ça. Ouais, toujours. Oui, j'ai. Ok, bah, je vais prendre l'autre du coup. Allez. Porte pas de mon côté. Je te dis de suite. Porte en bas. Côté canton. Je vais refaire le tour. Attends, je chope la keycard. Non, je vais déjà me mettre en haut. Oh, les deux gardes sont en haut. C'est marrant. Les deux, ils sont là, ils observent la banque. Ouais, tombe.
Par contre, Cafette, c'est une meilleure range de civils. Bon, après, les civils de la Cafette, normalement, ne sont pas censés crever, quoi. Ouais. Peut-être. Ok. Ok, ok. Alors. Assez gênant, mais ça va. Et pourquoi j'ai pas pu mettre mon masque? Allez, on se barre. Tranquille. C'est bon. Je suis safe. Ça dit quoi, du coup, dans la cantine? Je vais te dire, quand tu peux accéder au bouton ou genre c'est impossible? Ou mieux vaut que j'accède au bouton aux entours? Vaut mieux que tu ailles parce que là, je suis bloqué par les civils. Ok, ouais, non, mais je vais. Je vais remonter en vrai pour aller dans le bureau. Ah, je suis coincé. Ouf, putain, j'ai le civil. Je suis au bureau. Bah écoute, je vais activer dès que je peux. Non. Ok, j'ai fait une connerie. J'ai dû faire un petit move là qui est extrêmement dangereux. Ok. Je mets la keycard ici. Et j'active. And now we wait. Que attendre le téléphone. Je dois refaire mon move dangereux. Putain, deux fois je fais la merde. Ok, j'ai un civil ici. Bah écoute, moi je vais rester planqué. Hop, je vais attendre que tu viennes, que tu me rejoignes. Ouais, on va attendre le téléphone. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le petit moment. Eh oui, le petit moment où il n'y a absolument rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est que si tu tues les civils des... Comment ça s'appelle ? C'est pour moi ? Si tu tues les civils des... Tu sais, du comptoir en bas, là. Ouais. Il y a quand même civils infinis qui vont venir voir ce qui se passe, tu vois. Alors que si tu tues les mecs, les civils de l'étage, il n'y a plus aucun civil qui monte à l'étage. En fait, les civils, tu sais, qui arrivent à l'infini dans la mission, ils monteront plus jamais l'étage. Si tu tues les conseillers, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Du coup, est-ce que tu veux rester ici, que je fasse les objectifs? Ouais, je vais rester ici, c'est mieux, je pense. Comme ça, je fais direct l'ordi, puis après, je te rejoins. Ok. Ok, ok. Ouais, moi, j'ai remplacé ça comme ça. Je tombe plus le value de faire comme ça. Je sais pas vers combien de temps on a lancé le code, j'ai pas envie de m'avancer de suite en fait parce que. Tout à l'heure je me suis fait piéger par un civil donc. Ouais. Tu vois des gardes toi en haut de ton côté? Je vois juste le manager et la civile costard rouge. Ok. Attends, ça c'est un civil. Ah, il y a un garde qui monte. Et l'autre garde, on le voit pas malheureusement. Ok, j'ai une civile ici. Allez, ouais, ça va être un bon sommet. Allez, je vais montrer tout ton talent d'escalier. On va surtout monter le talent de est-ce que je peux y aller quoi. C'est bon, elle monte. Parfait. Et je vois l'autre garde d'ailleurs. Ouh là là. Le manager il me passe devant comme un bandit là. En mode salut. Ok, c'est vrai que j'avais oublié que j'ai le laser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh ouais, désolé, bah, du coup. Non, mais là, de toute façon, j'ai pas repassé donc je m'en fous. Alors, on n'a pas. Si, on a la pièce rouge, ok. Et on n'a pas la salle de l'imprimante par contre. Mais c'est pas très très gênant.
Oh! Ah non, j'ai cru que j'avais pouvais. Non, j'ai cru que je pouvais déjà tuer un garde, mais non, je peux pas. Oh là là, alors attends, attends, attends. Parce que lui, genre, il m'intéresse fortement. Non! Oh! J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. C'est quoi? Bah, le garde, en fait, je l'ai tué et son corps est passé au-dessus de la rambarde. Du coup, je suis en plein milieu de l'escalier là. Bon, bah, on C'est va voir, écoute. devant tout le monde, voilà quoi. Allez hop. On active ça. On revient ici. Ouais. Ok, on va revenir ici. Pas de garde là, pas de garde là. Eh bien, écoute, C'est à moi, c'est à toi de jouer. Je vais te prendre. Je te prête un petit coup. J'ai bien un coup de spotter là, tu te plaques Où contre ça? l'ascenseur dans le fond derrière toi. L'ascenseur. Dans celui qui est au fond plutôt. Pas, pas... Tu fais un coup de Ah voilà. spotter de ce côté. Et je vais aller. J'ai aussi un sac à planquer en haut. Oh putain, il y a des Ouf, ouais, non, mais là c'est quoi? C'est C'est un garde? Ouais, c'est le garde qui est venu au moment où je descendais quoi, du Ok, building, quoi. c'est pas grave. Bon, bah, ouais, comme ça. On doit s'adapter, on doit s'adapter. Ouais, c'est ça. Si tu as un autre garde, là ça Non, va être beaucoup on va plus éviter, long. on va éviter. J'ai passé par le fond ici. Après, t'as la scie, hein. C'est normal que tu sois un peu plus détecté que. Ouais. Bon, je regarde un peu où j'ai les lasers. Ok, Mais oui, tout c'est est bon. là. Parfait. Allez, bon bah écoute. Donc il nous reste deux gardes mobiles. Je vais d'entrée ouvrir la vault. C'est parfait. Donc on a un des gardes là. Bah, de toute façon, en vrai, il faudrait qu'on en tue encore un pour être tranquille. On va attendre l'opportunité. J'ai bien monté dans mon couloir là-bas. Salle des cams, elle est où? Salle des cams. Je vais te dire ça. Elle est là en bas. Donc Ok. ça devrait aller. Ah oui, est tranquille même. Ah Je peux oui, mettre si, ma si. mort ici. Où ça? Là, en plein milieu là? Ouais, là ah, ici, je pense. Ouais, ah, ouais. Et bah non, c'est un garde en train. Non, c'est pas grave. De toute façon, on devait tuer un dernier garde, donc. C'est vrai. On l'a tué plutôt que prévu. Allez. Bon, maintenant, il faut juste qu'on ait toujours le garde en visu, le dernier. Hop. Tant que je l'ai pas en visu, je stresse un peu, à vrai dire. Ah, il est là. Allez, c'est bon, maintenant on va essayer de toujours le garder en visu. Tu le gardes en visu aussi? Vas-y, ouais, vas-y. Enfin, tu sais, de temps en temps, tu fais un petit coup de spot et tout. Ouais, vas-y. Et voilà le premier sac. Donc, comme vous l'aurez compris, à chaque déplacement de sac, on fait une ellipse. Donc, c'est parti. C'est parti. Du coup, après celle-ci, c'est encore un Election Day, c'est ça? Exactement, on repart Ok. juste après sur un Election Day et après le casino.
Okay. Je pense qu'avec les deux maps, on devrait être déjà proche des infamies 80, je pense. Ouais, moi qui est prêt. Avec Big Bang plus Casino. Non, qu'est-ce que t'en penses? On tente le vidéo. Ah oui, là on devrait, ouais, on devrait vraiment que une vingtaine de niveaux, je pense, en façon. Une vingtaine de niveaux, mais qui sont les plus longs? Ouais. Oh, encore un side job, c'est deux side jobs que je fais. C'est parfait. Est-ce qu'on se ferait pas le Murky Station avant? Ouais, ça peut. Ça, on a, ça on a 15% d'XP. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, ouais, pourquoi pas. Allez, on vote, évidemment. Bien ah évidemment. Bah, on est finalement on est plus proche que ce que je pensais. Ah, oui, je pense que. Hoxton.